comprends pas. Il faisait un temps magnifique à 1h. Il y a un énorme orage qui arrivait. On a l'impression qu'il fait complètement nuit noire à l'extérieur. En tout cas, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de 5 trucs que vous ne connaissiez peut-être pas, si vous voulez, sur Airbus. Bienvenue à bord. Alors, si vous avez suivi mon actualité sur les dernières semaines, vous savez que j'ai quitté mon Dreamliner, le Boeing 787, et maintenant je suis chef de cabine, mais sur Airbus, et notamment la famille 320. Et j'ai appris plusieurs choses que je ne connaissais pas, qui sont spécifiques à Airbus, et je me suis dit que ça serait intéressant de les partager avec vous. Comme ça, la prochaine fois que vous allez voyager sur un Airbus de la famille 320 au moins, ben vous allez connaître certains petits trucs qui sont parfois un peu cachés. En général, ils ne sont pas cachés, mais que les passagers ne connaissent pas. Si vous entendez mon chat, elle s'appelle Léota, elle se cache derrière mais elle est en train de faire du bruit. Mais mon nom à moi est Victor, soyez les bienvenus. Je suis chef de cabine comme je le disais tout à l'heure. Je suis sur une compagnie aérienne qui vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Je suis franco-québécois et puis toutes les semaines je suis sur YouTube avec vous et on parle de transport aérien. Je vous donne un petit peu des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Il y a énormément de vidéos sur la chaîne, j'ai déjà couvert quasiment tous les sujets possibles et imaginables. Alors je vous invite à aller regarder les playlists et puis je vous mettrai une sélection de vidéos à la fin. Ça fait que vous pourrez continuer de passer un petit peu de temps avec moi si vous le voulez. En attendant, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, vous pouvez appuyer sur le bouton subscribe pour vous abonner et puis aussi mettre un pouce vers le haut, ça encourage la chaîne, surtout ça donne un peu plus de visibilité parce que plus il y a de pouces vers le haut, plus YouTube va promouvoir la chaîne et donc on est plus nombreux sur la chaîne. Alors on va commencer avec quelque chose que je ne connaissais pas, même si je l'avais déjà vu, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Lorsque vous voyagez dans une cabine d'Airbus, au moins du 320, parce que c'est la famille que je connais mieux, donc les 319, 320, 321, vous allez remarquer peut-être sur les parois de la cabine un petit triangle noir. Vous allez en trouver deux du côté droit, deux du côté gauche, et ils se trouvent en général pas très très loin des ailes. Alors non, ce n'est pas l'endroit où on va mettre la personne qui est punie, c'est pas un piqué, mais en fait ça sert simplement à identifier la meilleure vue sur l'aile. Le triangle noir qui se trouve le plus à l'avant donne la meilleure vue sur l'avant de l'aile et le triangle noir qui se trouve à l'arrière, devinez, ça donne la meilleure vue sur l'arrière de l'aile. Donc n'oubliez pas que les pilotes dans le cockpit n'ont pas de rétroviseur, ils pourraient avoir des caméras, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de caméra, mais en tout cas, si jamais ils ont besoin d'avoir une indication visuelle ou de vérifier quelque chose au niveau de l'aile, ils vont demander en général à un steward ou une hôtesse de l'air d'aller vérifier et souvent de prendre une photo, parce que maintenant on a tous un téléphone intelligent dans notre poche, et donc d'aller prendre une photo. Et le meilleur endroit pour prendre la photo, c'est au niveau du triangle, soit à l'avant, soit à l'arrière, comme ça on sait qu'on a le meilleur champ de vision possible. Et vous, si vous avez un siège qui a été attribué, qui se trouve entre les deux triangles, et eh bien votre vue principale à travers le hublot, ça va être l'aile, vous n'allez pas avoir grand chose. Alors c'est pas indiqué sur les sites des compagnies aériennes où se trouve le triangle. Pour vous donner une petite idée sur nos appareils 320 où on a que de la cabine économie, ce fameux triangle se trouve entre la rangée 9 et 16. Ça varie énormément d'une compagnie à l'autre. Par exemple, Air Canada a des sièges de classe affaires et la première rangée économie commence à la rangée 12, donc évidemment ça va être une autre configuration. Mais si vous regardez les plans des cabines, en général vous voyez où sont les ailes, ce qui fait que vous savez à peu près quel genre de vue vous allez avoir. Mais ce triangle indique ce qu'on appelle le leading edge en anglais et le trailing edge pour l'arrière. Autre chose, et ça l'une d'entre vous m'avait posé la question lorsque j'ai fait une vidéo sur les ding et les dong et les ding-dong de l'avion, où j'expliquais un petit peu tous ces fameux bruits, puis si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien à la fin parce qu'elle était assez intéressante, en tout cas elle avait été assez populaire. Il y a un ding supplémentaire qui est spécifique à l'Airbus et qui intervient juste après l'écollage ou juste avant l'atterrissage. En fait, pendant le roulage et le décollage, les panneaux de sortie, les panneaux exit vont rester illuminés jusqu'au moment où les trains d'atterrissage vont être rangés. Et à l'inverse, au moment de l'atterrissage, quand les trains d'atterrissage vont sortir, les panneaux exit vont s'allumer jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la porte et en fait ils vont rester allumés. Ce qui fait que c'est quelque chose qui n'existe pas sur Boeing, mais ça existe sur Airbus, et lorsqu'ils s'illuminent ou lorsqu'ils s'éteignent, vous allez avoir un ding qui va vous indiquer que on doit identifier où est la sortie la plus proche. C'est juste un rappel principalement pour les passagers de repérer l'issue de secours la plus proche. Autre petite chose qu'on n'a pas en cabine, en tout cas sur Boeing, ce sont ceci. Donc ça dit « remove before flight », retirer avant le vol. En général, les gens en France, vous appelez ça une flamme. Je sais que Air France en a une collection énorme, ça c'est une qui m'avait été envoyée par un collègue d'Air France. Mais c'est quelque chose que vous allez trouver à différents endroits de l'appareil. Et en cabine, sur Airbus, vous allez le trouver au niveau des portes. Alors je vais vous mettre une photo d'une porte de Boeing 787, de Dreamliner. Si vous voyez, elle est très très simple, il n'y a rien qui ressemble à ça. En fait, ce que vous voyez, c'est l'armement, donc c'est un levier qu'on va mettre du côté vert lorsque la porte est désarmée ou rouge lorsque la porte est armée. C'est assez simple. Et puis ce que vous voyez là, c'est la poignée de la porte qu'on va devoir activer de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, dépendamment si on ouvre ou on ferme la porte.
Sur Airbus, c'est très différent et donc vous avez cette petite flamme. Et à cette flamme va être associée à une petite tige métallique. Et cette tige va être à l'intérieur de la poignée d'armement. Ce qui fait que lorsque vous arrivez à bord, la tige métallique est à l'intérieur et donc on ne peut pas pousser le poignet d'armement et donc on ne peut pas armer la porte. Donc notre procédure pour armer la porte de l'avion sur Airbus, c'est de retirer ceci. Donc c'est pour ça qu'on dit retirer avant le vol. On retire la petite pièce métallique. On va pouvoir baisser le levier d'armement et on va ranger ça pendant le vol. Il y a un endroit où est-ce qu'elle va être rangée. À l'inverse, lorsqu'on va vouloir désarmer la porte, on va lever ce levier d'armement et un petit trou va apparaître. On va pouvoir insérer la petite tige de métal et donc ça permet d'éviter à ce que quelqu'un, malencontreusement et sans vouloir le faire exprès, appuie sur le levier d'armement et là ça pourrait poser des problèmes. Petit rappel, si vous ne savez pas ce que ça veut dire armer ou désarmer une porte, lorsqu'on arme une porte, ça veut dire qu'on va accrocher le toboggan qui fait partie de la porte, hein, c'est ce gros caisson que vous voyez, on va l'accrocher à la structure de l'avion, et donc lorsqu'on va ouvrir la porte, le toboggan va se déployer. Lorsqu'on désarme, on décroche le toboggan de la structure de l'avion, il ne reste accroché qu'à la porte, et donc lorsque la porte va s'ouvrir, le toboggan ne va pas se déployer parce qu'il va rester avec la structure de la porte. Et ces petits trucs, Remove Before Flight, vous allez en trouver plein sur Internet, sur eBay, sur je sais pas, les sites Kijiji ou n'importe quoi, sur les sites chinois, il y a beaucoup de compagnies qui en font. Air France a une collection qui est vraiment très très importante. Ils font des séries spéciales avec leur type d'avion, avec leur destination. Là où je travaille, on n'a pas des spécifiques, donc c'est pour ça qu'on m'a offert celle-ci. Et ça sert aussi très bien en porte-clés, tout simplement. Moi, c'est le porte-clés de ma voiture. Petit truc qui est pratique pour vous en cabine, si vous voulez savoir si les portes de l'avion sont ouvertes ou fermées, en tout cas la dernière porte ou la première porte lors de l'ouverture. Donc vous êtes assis, vous êtes au fond de l'avion, tous les passagers sont debout, vous ne savez pas si on a commencé l'ébarquement parce que vous ne voyez pas la porte avant et vous vous demandez combien de temps ça va prendre. Les gens se lèvent, j'ai jamais compris pourquoi les gens se lèvent immédiatement, ça prend toujours au moins quelques minutes avant que la passerelle ou l'escalier soit installé et qu'on commence le débarquement. Ça fait que restez assis, profitez de votre film, ça ne sert à rien de rester collés les uns les autres dans l'allée. En plus avec la Covid, c'est pas la meilleure chose à faire de coller les uns aux autres. En tout cas, on va changer de sujet. Donc si vous voyez que tous les boutons d'appel sont illuminés, ça veut dire qu'il y a une porte ouverte. Donc si vous venez d'arriver, c'est-à-dire qu'on a ouvert la première porte et que le débarquement va commencer ou a déjà commencé, si on va partir, en général vous le voyez facilement parce que la plupart des passagers sont assis, bien ça veut dire qu'on attend simplement ou le dernier passager ou on attend à ce que des documents soient apportés dans l'avion, mais qu'on va partir incessamment. Mais dès que tous ces boutons d'appel seront éteints, ça veut dire que la porte est fermée et que là on va commencer les procédures de départ. Et ça m'amène à vous parler d'une série qui est sortie il y a un peu plus d'un an sur Netflix qui s'appelle Into the Night. C'est honnêtement, c'est loin d'être ma série préférée, j'ai été tellement déçu. L'histoire en elle-même n'est pas si mauvaise que ça, mais il y a tellement d'incohérences, il y a tellement de choses qui sont complètement impossibles. Et une des grosses incohérences que j'avais notées, parce que je savais déjà ce point-là avant d'avoir ma formation Airbus, c'est que pendant tout le film, parce que tout le film se passe dans un Airbus 320, puis ils le disent plusieurs fois, on le sait, pendant tout le film, tous les boutons d'appel sont tous illuminés. Donc on sait qu'ils ont tourné le film avec la porte avant ou la porte arrière ou les deux portes ouvertes, en tout cas il y avait toujours des portes ouvertes, mais ils auraient pu peut-être, je sais pas, faire une modification pour qu'au moins on ne les voit pas tous allumés, parce que je sais que tous les agents de bord qui travaillent sur Airbus ont dû s'en rendre compte. Il y avait beaucoup d'autres incohérences, mais peut-être un jour je ferai une vidéo sur des différentes séries ou films qui se passent dans les avions. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et puis je la préparerai pour vous. Et puis mon dernier point, ça touche à la dépressurisation. Alors j'avais bonnes notions sur Boeing, mais j'avais pas des chiffres aussi précis. Sur Airbus, il y a une procédure qui est vraiment très très bien, qui est mise en place. Donc petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une dépressurisation? Lorsque vous êtes en vol, l'appareil est pressurisé, parce qu'à l'extérieur vous avez une pression qui est très très différente. On est en altitude, on vole jusqu'à 35 à 40 000 pieds, et 35 à 40 000 pieds, s'il n'y en a pas la pression qui avait été mise en cabine, on aura à peu près 12 secondes pour rester conscient, et après on perdrait conscience. Donc il est très important que l'avion reste pressurisé lorsqu'on est à haute altitude. Donc en général, la pression qui est mise en cabine va être entre 7000 et 8500 pieds, dépendamment des modèles. Le Dreamliner avait une très très bonne pression qui était assez basse, donc c'était plus confortable pour les passagers, on est moins affecté par l'alcool, on est moins affecté par la perte de goût, etc. parce que ce sont des choses que l'altitude va avoir un impact. Et donc, en général, tout se passe bien. Et il faut savoir aussi qu'il y a deux types de dépressurisation qui peuvent arriver. Donc dépressurisation, ça veut dire que la pressurisation qui a été faite en cabine va commencer à se rapprocher de celle de l'extérieur. Donc c'est là où est le danger. Il y a donc deux types de dépressurisation. Il y a la rapide, et c'est celle que vous voyez souvent dans les films, où là vous avez un trou dans l'avion, et puis vous avez tout qui commence à voler dans tous les sens, les passagers qui crient. Vous avez en général, ça vient avec un genre de brouillard dans la cabine, ça va déclencher les systèmes de détecteurs de fumée dans les toilettes, donc des sirènes et des alarmes vont se mettre en route. En tout cas, ça devient très très chaotique, mais vous avez un autre type de dépressurisation, c'est la lente. Et là, ça va venir avec éventuellement peut-être juste un morceau de plastique qui est autour de la porte, qui permet de sceller la
porte entre l'intérieur et l'extérieur, qui n'est pas très très bon, et effectivement, ben, il y a un petit peu d'air qui peut s'échapper, et donc dans ce cas-là, on va avoir une dépressurisation lente. Et là, ben, celle-ci, c'est plus difficile de s'en rendre compte. Alors, il y a des capteurs dans la cabine qui vont mesurer en permanence la pressurisation de la cabine et du cockpit, mais sur Airbus, c'est très très précis, on a des chiffres qui font en sorte que des choses se déclenchent automatiquement. Il y en a aussi sur Boeing, mais je ne les connaissais pas très très bien, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseignait. Sur Airbus, c'est très facile. Lorsqu'on a une pressurisation qui est montée à 10 000 pieds d'altitude, donc on vole beaucoup plus de ça, mais la pression à bord de la cabine est à 10 000 pieds, automatiquement, le cockpit va être informé et les pilotes vont devoir mettre leur masque à oxygène. Ce qui fait que c'est une mesure de sécurité, c'est une précaution. En attendant, ça peut continuer parce que bien sûr, ils vont mettre leur masque, ils vont commencer à faire toutes leurs procédures, à faire leur vérification, mais pendant ce temps-là, ça peut continuer à se dépressuriser. À 11 300 pieds, automatiquement, toutes les lumières de la cabine vont s'illuminer aux fonctions maximum. Vous savez, souvent pendant le vol, on va réduire un peu l'intensité lumineuse de la cabine pour que vous puissiez vous reposer. La lumière va s'allumer d'un coup et les consignes de ceinture de sécurité vont aussi s'illuminer partout. La seule chose qui ne va pas s'illuminer, c'est dans les toilettes. Vous avez en général une petite consigne qui vous dit retournez à votre siège. Là, on va vous demander de rester dans les toilettes pour la première fois. Même s'il n'y a pas de ceinture de sécurité, dans les toilettes, vous allez comprendre pourquoi. Parce que dès qu'on va atteindre 14 000 pieds de pressurisation, automatiquement les masques vont se déployer. Et là, on n'a pas envie à ce que les passagers soient en train de se promener dans la cabine parce qu'ils terminaient leur petite affaire dans les toilettes en attendant la pressurisation à continuer à changer. Et puis, ils vont se retrouver au milieu de la cabine, ils n'ont pas de masque à oxygène. Donc, on va vous demander de rester dans les toilettes parce que dans les toilettes, vous avez des masques à oxygène qui vont tomber également. Donc, à 14 000 pieds, automatiquement, les masques vont se déployer. Ils peuvent être déployés avant, mais à 14 000 pieds, ils vont se déployer. Et puis, il y a une annonce qui va être faite en boucle en permanence, qui va vous dire attention, c'est une dépressurisation, mettez votre masque sur votre nez et votre bouche et mettez votre masque en premier avant d'assister quelqu'un d'autre parce que imaginons qu'on est à 40 000 pieds, 12 secondes ça va très vite, donc le temps que vous aidiez quelqu'un et que vous ayez terminé d'aider éventuellement votre enfant, vous n'allez pas de conscience, donc il faut que vous mettiez votre masque en premier et ensuite vous allez être capable d'aider un maximum de personnes. Ça, bien sûr, je ne sais pas ce que ça vous arrive, mais c'est intéressant de savoir que si les lumières s'allument d'un coup et puis que la consigne des ceintures de sécurité s'allume d'un coup, c'est pas une turbulence parce que les lumières ne s'allumeraient pas pour la consigne des ceintures. Donc, ça veut dire qu'on a un risque de dépressurisation. Voilà, c'est juste 5 petits points que j'ai décidé de partager avec vous, soit parce que je les ai appris cette semaine, soit parce que c'est des choses dont je n'avais jamais évoquées sur ma chaîne. Dites-moi si ce genre de choses vous intéresse et puis je pourrai continuer à le faire. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Et puis, je voulais aussi en profiter pour féliciter mon ami Meloane de la chaîne She's Flying. Vous la connaissez peut-être, on avait fait une vidéo ensemble qui parlait de grossesse et de maternité lorsque on est hôtesse de l'air, et puis différence entre sa compagnie et ma compagnie. Puis on a aussi écrit notre livre ensemble, Histoire de passager. Et bien aujourd'hui, vendredi, son compte Instagram vient dépasser les 10 000 abonnés, donc je voulais lui faire un gros bisou et la féliciter pour ce genre de choses. Je sais qu'elle travaille très fort, elle a un contenu qui est vraiment magnifique, elle parle aussi bien de ses escales mais aussi de sa vie de maman de tous les jours et qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle arrive à gérer tout ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant aussi, on pouvait toujours jaser sur Instagram. À bientôt, salut. We'll be right back.